Go ahead, Joanna. Please welcome everyone. Okay. Bonjour tout le monde. Ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, ceux qui viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal d'ailleurs, nous vous saluons en Jésus et vous souhaitons la bienvenue à cette session qui sera dirigée par bien-aimé frère Célestin Tapsoba. Et travaille avec le Centre international d'évangélisation. Monsieur Tapsoba est titulaire d'une licence en linguistique et il a travaillé comme traducteur et reporter à la télé, et cela depuis longtemps. Et depuis 2004, c'est lui qui est responsable de l'édition des livres des pasteurs Karambiri, son épouse, le pasteur Karambiri et son épouse. Donc, avec lui, il y a plus de 30 ouvrages qui ont été produits et publiés et qui sont reconnus par les éditions Paracletos. Et c'est lui qui va aujourd'hui partager avec nous comment il travaille pour que les sermons, les messages qu'il reçoit en audio ou en vidéo deviennent des livres. Et ensemble, nous allons aussi écouter s'il y en a qui ont des expériences personnelles qu'ils voudraient partager. Ils sont les bienvenus. Il y a des questions, vous pouvez les poser. Et en haut, il y a une partie questions-réponses. Vous posez votre question là-bas. Et aussi, il y a la partie conversation. Si vous voulez interagir, vous pouvez parler. Vous pouvez écrire aussi. Donc, bien, je laisse la parole à M. Tapsoba. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à passer de bons moments ensemble. Voilà. Alors, je dis merci aux responsables de MAI qui ont bien voulu organiser cette conférence donc, pour aider les éditeurs dans la publication des ouvrages à partir des sermons et des notes de sermons des pasteurs. Et je remercie également Madame Ilboudo qui joue ici le rôle de modérateur. Et je partage donc le PowerPoint. Le thème, c'est comment publier des livres à partir des audios et des notes de sermons. Et j'ai mis un petit texte en bas, c'est comment relever le défi de passer de l'oralité du texte que nous allons avoir à partir des audios vers un texte tout à fait littéraire et produire donc des livres de qualité. Et le sujet que nous abordons aujourd'hui est très important parce que effectivement on trouve des pasteurs qui ont des messages qui sont des trésors spirituels qui édifient leur public, leurs assemblées, et donc ces messages sont, je dirais, ce sont des messages utiles pour l'ensemble du corps de Christ. Mais malheureusement, on ne retrouve pas toujours ces messages dans des livres parce que pour deux raisons, parce que soit ces pasteurs qui délivrent ces messages-là n'ont pas le temps
pour écrire eux-mêmes des livres ou bien parce qu'ils n'ont tout simplement pas de qualifications, ils n'ont pas de compétences pour écrire ces livres. Soit c'est un problème de langue parce qu'ils ne parlent pas. Par exemple, il y a des pasteurs qui prêchent très bien dans leur langue nationale, dans les langues locales, et donc ils ne peuvent pas écrire des livres en français ou en anglais ou autre langue qui est généralement utilisée dans l'écriture, dans la production des ouvrages. Ou bien tout simplement, ce sont des pasteurs qui n'ont pas la technicité donc, par rapport à l'écriture. Et ceci dit, j'aimerais tout de suite préciser que je ne vais pas, lors de cette intervention, revenir sur, par exemple, certaines choses que nous connaissons déjà en tant qu'éditeur ou en tant que rédacteur. Mais je vais survoler certains points afin que nous puissions consacrer plus de temps pour voir comment pratiquement on passe de la transcription au manuscrit donc du livre. Et j'aimerais, avant de continuer, aussi m'excuser parce que là, nous commençons avec une heure d'avance par rapport au temps prévu. Il y a des travaux qui se font à côté de moi. Je m'excuse du bruit que vous pourrez entendre pendant cette présentation. Normalement, ces ouvriers-là devaient avoir fini avant qu'on ne commence la présentation, mais bon, donc je m'excuse d'avance. Alors, on a des trésors spirituels importants, mais malheureusement qui ne sont pas dans des livres. Et donc, nous avons évoqué deux raisons principales, soit que le prédicateur, le pasteur, il est chargé par rapport au ministère qui n'a pas le temps d'écrire, ou que il a des limites. Soit par rapport à la langue, soit par rapport à la technique de l'écriture des livres. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, éditeurs, nous intervenons. Alors, l'idée du projet d'écriture, c'est ce que je disais, nous sommes pour la plupart des éditeurs, donc nous sommes... habitué à cela, comment trouver des idées pour écrire un livre ou faire des magazines. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Alors, le choix des messages pour former le projet, je parlerai de deux cas. Le premier cas, c'est que vous êtes comme un marchand à la recherche donc de belles perles. Je fais ici allusion à la parabole que Jésus-Christ a donnée dans les évangiles. Donc, c'est vous-même qui allez à la recherche des sujets pour votre projet de livre. À ce moment-là, vous pouvez faire un glanage, c'est-à-dire rechercher dans différents messages de pasteurs pour voir finalement quel message peut faire l'objet d'un projet de livre. Et vous pouvez aussi demander à un pasteur qui est expérimenté d'enregistrer un ou plusieurs messages donc qui peuvent faire l'objet d'un projet de livre. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous êtes comme une mer. La mer reçoit des affluents qui viennent se jeter donc, et qui contribuent à l'enrichir en termes de quantité d'eau. Et à ce moment-là, vous, vu comme une mer, c'est lorsque
ce sont les pasteurs eux-mêmes qui vous sollicitent. Ils viennent à vous avec des idées de livres, des projets de livres. Et à ce moment, vous avez donc des pasteurs qui pourront vous soumettre des thèmes de conférences ou de séminaires ou des enseignements sériels. Des enseignements sériels, c'est par exemple un pasteur qui prend 2 mois ou 3 mois et qui enseigne intensivement sur un sujet. Et donc, ces différents éléments peuvent aussi constituer de bons projets de livres. Mais quelle que soit donc la situation, que ce soit vous-même qui allez à la recherche de ces idées, de ces pour former les projets de livres, ou que ce soit les pasteurs qui viennent vers vous, une chose est importante. C'est que le sujet qui va former votre projet de livre doit être suffisamment pertinent. Pertinent pour apporter quelque chose à ceux qui vont les lire, ces livres qui vont finalement être produits. Alors, qu'est-ce que je comprends par sujet suffisamment pertinent? C'est un sujet qui éclaire un aspect donné de l'enseignement de la Bible. On ne ferait pas dans la généralité donner, on ne prendrait pas n'importe quel message pour former un projet de livre si cela n'apporte pas un éclairage nouveau, quelque chose de spécial par rapport à l'enseignement biblique. Également, c'est un sujet que je dirais révolutionnaire. Vous savez, lorsque Martin Luther a commencé à prêcher sur la grâce de Dieu, c'était un sujet qui sortait hors du commun et c'était un sujet révolutionnaire. Alors, un pasteur qui annoncerait, qui prêcherait aujourd'hui un message qui, révolutionne la pensée, la mentalité des gens par rapport à ce que Dieu veut que l'on fasse, par rapport à ce que Dieu veut que l'on fasse, oui, ça peut former un bon projet de livre. C'est également un sujet que je dirais opportun en fonction du temps, en fonction de l'époque où on se trouve. Par exemple, aujourd'hui où nous faisons face à une situation sanitaire mondiale, si vous entendez des messages de pasteurs relatifs à cette situation qui est aussi véritablement fondée sur la parole de Dieu, je pense que c'est un sujet qui peut faire un bon projet de livres. Et je dirais sur ce point-là, juste avant la pandémie juste avant que l'Afrique ne connaisse la pandémie, j'ai édité un livre qui s'intitule « En temps de crise, le juste, que fera-t-il ?» Et dedans, l'auteur parle de plusieurs situations où, en tant que chrétien, nous pouvons faire face et quelle doit être notre attitude, hein, quel doit être notre comportement face à ces différentes situations. Et lorsque la pandémie, on l'a ressenti en Afrique, ce livre-là a été beaucoup a été d'un grand apport pour tous les lecteurs. Alors, nous avons donc ces enseignements, ces messages des pasteurs qui constituent des matériaux, qui constituent de la matière première vers ce que nous voulons
c'est-à-dire les livres. Mais comment passer de ces messages audio vers un texte? On va donc aborder ce point qui concerne la problématique de la transcription. L'image que vous voyez, l'image d'illustration, un micro, le pasteur parle dans un micro. L'autre image en noir, c'est comment est-ce qu'on appelle ça en français, le spectre généré par le fichier numérique de l'audio. Et finalement, il y a un texte qui sort de tout ça. Ça représente un travail que nous allons tout à l'heure regarder. Alors, la première des questions, la première des préoccupations que nous devons avoir, c'est de nous poser, c'est quel type de transcription nous voulons. Parce qu'il y a, il faut savoir qu'il y a plusieurs transcriptions et nous allons les regarder, nous allons les analyser au fur et à mesure. Quel type de transcription donc nous allons prendre pour parvenir au texte que nous voulons? Il y a la transcription brute. La transcription brute, c'est lorsque tout ce que j'entends du pasteur dans l'audio, je le transcris. Donc, transcrire tout ce qu'on entend dans l'audio. Mais cette transcription a des avantages et des inconvénients que nous allons voir. L'avantage, c'est que nous sommes assurés de l'intégrité donc de la matière première. Nous sommes assurés que c'est un texte qui n'a pas subi de modifications au cours donc de la transcription. Et aussi, nous sommes assurés d'avoir ce que j'appelle ici des méta-informations. Ce sont des informations qui peut-être ne vont pas directement participer, ne vont pas entrer dans l'élaboration du livre, mais qui va renseigner l'éditeur, qui va renseigner le rédacteur sur des choses spécifiques que le pasteur a communiqué pendant le message. Ce sont des métadonnées des méta-informations très importantes que on ne devrait pas rater pendant le travail. Maintenant, la difficulté, c'est que, comme nous le savons, pendant que on parle, nous tous, lorsque nous nous exprimons à l'oral, on tend à être informel. Il y a trop d'oralité, il y a trop de répétitions qui se constatent et ça représente une difficulté lors donc de l'élaboration du manuscrit. Le deuxième et le troisième type de transcription que nous avons, c'est la transcription dite améliorée. C'est une transcription dans laquelle les hésitations, les répétitions sont éliminées et là également les fautes grammaticales sont corrigées, les fautes orthographiques sont corrigées. Et la transcription, la troisième transcription, c'est la transcription en tout cas assez travaillée qui est en réalité une synthèse. Maintenant, les avantages et les inconvénients de ces deux transcriptions-là, c'est que un avantage, c'est un texte assez élaboré, c'est un texte élagué et qui permet donc une rédaction aisée. Mais au niveau des difficultés, comme j'avais évoqué déjà la question des métadonnées, l'éditeur ou le rédacteur ne va pas savoir qu'est-ce qui a été supprimé
ou qu'est-ce qui a été ajouté lors donc de ces deux sortes de transcriptions. Il y a des informations qui peuvent lui échapper et pourtant ce sont des informations parfois pertinentes, des informations très intéressantes. L'autre inconvénient ou l'autre difficulté, c'est donc la suppression donc de détails qui auraient permis à l'éditeur ou au rédacteur de comprendre une déclaration ou de l'inspirer dans la rédaction. Dans mon expérience à moi, parfois lorsque j'aborde une partie de la rédaction, une simple idée que je trouve dans la transcription peut m'aider ou m'éclairer dans la rédaction. Ce n'est souvent pas grand chose, ce n'est souvent pas grand chose, mais ça me permet de savoir. Je m'excuse parce que le bruit à côté là me dérange, même moi ici. J'imagine vous qui pouvez l'entendre. OK. Alors, si ces éléments-là manquent, parfois ça peut porter un coup pendant la rédaction. Et lorsque la transcription est améliorée ou bien est une synthèse, celui qui a fait ce travail-là, si jamais ce n'est pas nous qui assurons ce travail de rédaction, parce que dans plusieurs, chez certains, l'équipe est composée de plusieurs composantes. Il y a la composante qui s'occupe de la transcription et la composante qui va s'occuper de mettre tout ça ensemble pour assurer la rédaction. Donc, lorsque le texte vient de l'équipe de transcription, donc de façon améliorée ou de façon synthétique, il arrive que celui qui a assuré cette transcription-là doit ajouter certaines choses pour faire des liens déjà entre les idées et on n'est pas assuré si certaines choses qui ont été ajoutées viennent de l'orateur, viennent du pasteur ou pas. Et donc, à cause de ça, ça peut dérouter celui qui va assurer finalement la rédaction. Alors, nous allons voir maintenant les modes et les outils de transcription. Comment est-ce que on parvient à obtenir un texte à partir des audios? Et je dirais là que aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilités avec le numérique parce que moi, quand j'ai commencé à faire la transcription, vous voyez ce gros appareil-là avec cassette, c'est ce que j'ai commencé à utiliser. Et parfois, on travaille et à un moment donné, même les doigts ne veulent plus toucher les boutons tellement ça fait mal maintenant. Et donc, il y a également au niveau des modes de transcription, il y a essentiellement deux modes que je nomme. Premièrement, c'est la transcription automatique qui utilise qui s'obtient avec des logiciels comme le logiciel Dragon ou bien par YouTube.
et d'autres logiciels également que l'on peut trouver. Il y a des logiciels payants comme des logiciels gratuits qui assurent cette transcription automatique avec différents niveaux de satisfaction. Comme précédemment indiqué, il y a des avantages et des inconvénients au mode de transcription également. C'est que, en termes d'avantages, c'est que vous avez quasi immédiatement le texte disponible. Il y a dans certains ministères, il arrive, par exemple, lors de conférences, lors de séminaires, à la fin de l'intervention du pasteur et avant la prochaine session déjà, et il y a des textes qui sortent, on rassemble ça rapidement. Et on se demande comment est-ce qu'ils font cela. C'est à partir donc de la transcription automatique qui permet de générer rapidement le texte et de pouvoir le travailler rapidement. Donc, il y a la disponibilité quasi immédiate du texte et la rapidité dans la production, que ce soit la production de livres ou la production de petites fascicules, des magazines ou des journaux. Ça donne en tout cas une rapidité dans leur production. Maintenant, en termes de difficultés, c'est qu'il arrive qu'il y ait beaucoup d'erreurs au cours donc, de cette transcription automatique. Et généralement, c'est pour, je dirais, dans une certaine mesure, en tout cas, du côté de l'Afrique. Du côté de l'Afrique, pourquoi? Parce que généralement, lorsque nous parlons le français, il arrive que nous prononcions mal les mots ou que nous nous articulions mal. Or, ces logiciels de transcription automatique-là sont programmés de telle sorte qu'ils sont sensibles à la manière de prononcer, à la manière donc de nous articuler. Et dès qu'ils ne sont pas capables de distinguer exactement quel mot a été prononcé, ces logiciels-là mettent à la place d'autres mots qui ne sont pas corrects. Également, je dirais que c'est un handicap pour les prédicateurs, les enseignants africains, parce que généralement, ces personnes-là associent à leurs enseignements, par exemple, l'interprétation. Et lorsqu'il y a la voix de l'interprète qui vient, le logiciel, par exemple, du Moré, du Djula, du Wolof ou d'autres langues que vous connaissez, lorsque ces logiciels ne sont pas capables de distinguer ces langues, ils vont également mettre des choses qui ne sont pas exactes dans le texte et à ce moment, le texte devient... il y a beaucoup d'erreurs dans le texte et ça pose énormément de problèmes après pour la transformation vers un texte littéraire. Il y a donc la transcription manuelle qui utilise également des logiciels, mais le travail est tout à fait manuel. Alors, vous avez là en haut un kit pour transcription manuelle. Ce kit est fait d'un logiciel, et d'une pédale et des écouteurs. Et
celui qui est assis sur là en train de transcrire, c'est le responsable de transcription dans notre structure qui donc assure de façon manuelle la transcription. Alors, les avantages de la transcription manuelle, c'est que la transcription, elle est exacte parce qu'elle va rendre compte même des hésitations et certaines réalités, même la ponctuation que la transcription automatique ne prend pas souvent en compte. Et parce que c'est une transcription manuelle, celui qui fait ce travail-là n'a pas besoin, par exemple, de transcrire la voix de l'interprète. Donc, s'il y a un interprète qui intervient, cela ne va pas ressortir dans le texte et donc on a un texte qui va être suffisamment bien garanti. En tout cas, il n'y aura pas d'erreur de transcription comme c'est souvent le cas au niveau donc, de la transcription automatique. Alors, en termes de désavantages par rapport à la transcription manuelle, c'est que c'est un travail long. C'est un travail long, fastidieux, et donc qui ne permet pas d'avoir immédiatement le texte pour passer à la rédaction. Chez nous, ici, dépendant de la longueur du texte, une transcription à manuel, un message d'une heure peut prendre entre un jour et deux jours. Donc, c'est un travail lent. Et du coup, ça rallonge également. Si vous avez une périodicité, si vous avez un temps prévu pour la sortie d'un livre, il faut prévoir donc le temps aussi de la transcription. Sinon, le temps de la production va être rallongé à cause donc du temps mis au niveau de la transcription. Et nous voilà dans le point important, le point principal de notre intervention, à savoir donc le défi de l'édition ou de la rédaction. J'emploie édition ou rédaction ici parce que lorsque le qu'est-ce que je veux dire un par là, c'est que parfois on est amené à faire beaucoup de rédaction que d'édition. Si notre entendement de l'édition, c'est faire des corrections sur la forme du texte pour préparer le manuscrit, je dirais que dans ce travail spécifique qui part des audios, des sermons, il y a plus souvent de rédaction à faire. Donc, j'emploie à la fois le terme édition et rédaction ou éditeur, rédacteur pour faire juste cette nuance-là. Pour commencer, à ce niveau-là, il faut être sûr d'une chose. Nous ne pouvons pas, en tant qu'éditeur ou en tant que rédacteur, faire le travail de la publication des livres à partir des audios, des sermons, s'il n'y a pas de véritable connaissance de l'orateur que nous voulons publier. Et lorsque nous parlons de connaître l'orateur que nous voulons publier, c'est le connaître sur sa façon de communiquer. Sur sa façon de communiquer. Et là, on va avoir trois cas. Le premier cas, c'est un pasteur, c'est un orateur qui parle de façon précise, qui parle de façon
concis. Généralement, ces pasteurs là préparent leur sermon, ils écrivent de l'introduction à la conclusion et généralement, ils ne font que dire hein, ce qu'ils ont déjà écrit, préparé par avance. Il y a donc le deuxième cas de prédicateurs, d'enseignants, de pasteurs que je considère comme des pasteurs qui sont trop explicatifs. Ils donnent beaucoup d'explications autour d'une idée, autour d'un thème. Ils vont aller et revenir parce qu'ils veulent se faire comprendre de leur public. Alors, et finalement, dans le texte, on va retrouver beaucoup de répétitions, beaucoup donc d'aller et de retour sur une même idée parce que ces pasteurs-là sont trop explicatifs. Je ne dis pas ça pour dire que c'est négatif, mais pour dire que si vous voulez publier ce genre de pasteur-là, il faut le comprendre dans son approche, dans sa façon donc de communiquer. Et enfin, un troisième cas que l'on peut rencontrer, ce sont donc des pasteurs, des enseignants qui tronquent les idées. Ils ne finissent pas généralement les idées qu'ils commencent et ils passent d'une idée à l'autre sans les terminer et sans y revenir un peu plus tard. Donc, ces trois cas de figure-là, lorsque vous envisagez de publier un pasteur sur la base des audios de ses enseignements, il faut connaître ces différents cas-là et prendre, vous préparer en conséquence parce que ça va avoir une influence sur votre travail d'édition ou de rédaction. Connaître son orateur, c'est aussi connaître sa façon de délivrer le message. Et à ce niveau également, nous allons avoir trois cas. Il y a des pasteurs dès le départ qui annoncent le plan de leur message. Je vais avoir cinq points dans mon message. Voici le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, le cinquième point. Et lorsqu'ils commencent à enseigner, il respecte, il suit effectivement ce qu'il a annoncé dès le départ. Et le deuxième cas à ce niveau, c'est que c'est un pasteur ou un enseignant qui n'annonce pas dès le départ son plan, comment il va, donc les différentes articulations de son intervention. Mais quand on le suit, quand on l'écoute, il y a une certaine cohérence, il y a de la méthode dans sa façon donc, de délivrer le message et on constate une progression. Même s'il ne donne pas des titres et des sous-titres, on constate qu'il y a une évolution dans sa façon donc, de communiquer et de délivrer le message. Et enfin, on a le pasteur qui est comme le vent et qui... il n'annonce rien, vous le suivez, il passe d'un point à l'autre, il part, il revient, il ouvre des parenthèses et là, parfois, si on n'est pas, même lorsque vous êtes dans l'assemblée et que vous ne prêtez pas suffisamment attention, vous pouvez perdre le fil des choses entre-temps. Vous pouvez ne plus savoir à quel niveau il est par rapport à son message. Connaître son orateur, c'est aussi, et enfin, connaître sa doctrine. Qu'est-ce qu'il pense de telle thématique de la Bible, telle, par exemple, la question de la justification, la question de
de la foi, quelle est sa compréhension. Et je vous dirai pourquoi la connaissance de toutes ces choses-là est importante dans la suite donc, du travail. Donc, et là, connaître sa doctrine peut vous pousser, moi particulièrement, avec les pasteurs avec lesquels je travaille. J'ai ouvert un fichier Word, par exemple, que j'ai nommé cahier de définition. Et là, au fur et à mesure que j'exploite les textes, je récupère les différentes définitions qu'ils donnent à telle ou telle à telle ou telle idée, telle ou telle notion de la Bible. Et cela me permet de connaître leurs pensées, de connaître en quelque sorte, leur doctrine par rapport à ces choses. Et ça m'aide énormément lorsque je commence la rédaction. Alors, avec cela, après cela, je vais maintenant donner ce que je pense être quelques points cardinaux dans le processus de la transformation de la transcription vers donc un texte, un manuscrit qui va faire l'objet d'une publication. Le premier point que je juge cardinal, c'est que le texte doit montrer une certaine cohérence pendant la rédaction. Le texte que nous fournissons doit montrer une certaine cohérence. Il doit avoir une progression. Celui qui lit doit savoir qu'on quitte, par exemple, d'une idée à une autre. Et là, je fais allusion ici à une plaisanterie que j'ai entendue. Ce n'est pas une plaisanterie, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé au Burkina Faso, dans la région du centre du plateau central. Il y a un village qui s'appelle Gilungu. Et là, un jour, un Européen est arrivé dans le village et a voulu savoir dans quelle localité il se trouvait. Et il a appelé un enfant et lui a demandé. Et l'enfant, au lieu de dire le nom amoré de son village, a voulu faire comprendre la signification du nom du village à son interlocuteur, et il a dit: nous sommes dans le village de Tourné-Tourné. Nous sommes dans le village de Tourné-Tourné. C'est le sens donc du nom du village de Gilungu. Et nous, en tant qu'éditeurs, nous, en tant que rédacteurs, nous devons sortir de ce village de Tourné-Tourné là, parce que celui qui nous lit doit sentir une progression du début à la fin donc du livre. Le troisième point cardinal, c'est qu'il doit avoir une clarté parfaite, pas de confusion, pas d'équivoque, pas d'idée ambiguë, en tout cas, dans le texte que nous allons fournir. Et je dirais qu'il doit aussi avoir de la beauté, de l'esthétique, parce que
Allô? Hello, Joanna. Hello. Yeah, looks like Celestine is cut off. Connector, yeah. Is there okay. Any anyway, cut off? I can take from where he left. Okay. So okay. Alors pour tous ceux qui sont toutes les personnes qui sont toujours connectées. Célestin semble être déconnecté pour une raison que j'ignore pour l'instant. Mais je voudrais à ce niveau-là, à partir de ce moment, partager un peu mon expérience dans... OK, il est revenu. Frère Célestin, vous êtes là? Allô? Célestin, vous êtes là? Oui. Voilà, ok. D'accord, allez-y. Oui, la connexion balance. C'est la connexion qui balance, mais je suis de retour. Ok, on vous écoute. On vous écoute. Ok, je relance. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que notre texte, le texte que nous fournissons, doit avoir donc de la beauté pour encourager les gens à lire. Et enfin, je dirais que notre texte également que nous fournissons à partir de la transcription doit avoir de l'authenticité. Et par authenticité, j'entends la préservation de la personnalité de l'auteur, de l'orateur autant que possible. Et ces différents points, je vais les développer dans tout à l'heure. Alors, par rapport à ces différents éléments que je viens d'annoncer, quelles sont les astuces que nous pouvons utiliser pour parvenir? Parvenir à quoi? Parvenir à la cohérence, parvenir à la progression, la clarté, la beauté et l'authenticité. Donc, voici quelques astuces. C'est de s'assurer d'avoir compris le texte et d'en avoir cerné les différentes articulations avant de commencer, avant d'intervenir dans le texte. Et là, j'ai une anecdote à raconter. Lorsque Madame Ilboudo me présentait au début, elle a mentionné que j'ai travaillé comme reporter de télévision. Et c'était en 2010, et une des rubriques de la télé pendant le journal télévisé consistait à faire la synthèse de l'enseignement que le pasteur donne le dimanche et donc de le diffuser pendant le journal. Et nous étions au début de la télévision. Et un jour, on a commis un journaliste à cette tâche-là, faire la synthèse de l'enseignement le dimanche pour que ce soit passé au journal de 13 heures. Et ce journaliste, il a écouté le pasteur qui a parlé. Et quand il est allé faire son élément de JT, imaginez quoi, c'était l'introduction, c'était seulement l'introduction que lui, il a utilisé pour faire son élément. Pour lui, c'était tout le message, alors que l'orateur n'avait même pas encore commencé son message. Donc, lorsque nous avons
la transcription, surtout lorsque c'est une transcription brute, nous devons nous assurer d'avoir compris le texte, d'avoir cerné les différentes articulations, c'est-à-dire les idées principales et les idées secondaires, afin d'élaborer le plan donc, de notre rédaction. Alors, il faut aussi éliminer les phrases et les idées juxtaposées, donc éliminer la juxtaposition des idées et des phrases en utilisant des mots liens et des transitions. Il y a généralement que dans plusieurs cas, lorsque on écoute les prédicateurs, ils donnent des phrases courtes sans forcément les mettre en lien. Ils n'utilisent pas les mots liens et généralement, ils n'utilisent pas de phrases transitives entre une idée ou une autre. Et nous, en tant qu'éditeurs, rédacteurs, nous devons donc pouvoir mettre en lien les idées et les différentes sections donc, du texte. Comme je l'ai précisé auparavant, il y a des pasteurs qui sont trop explicatifs, qui donnent tellement d'éléments par rapport à une idée pour se faire comprendre qu'il est difficile de garder tout ça dans le livre. Donc, il faut procéder par synthèse, synthétiser les longs développements qui, entre-temps, ne dit pas de nouvelles choses. Il faut également supprimer les répétitions. On peut avoir dans le texte une répétition par rapport à une idée, surtout le long du texte. L'orateur revient sur le même élément, peut-être pour se faire comprendre, mais au final, c'est beaucoup de répétitions qui se par une même idée qui se retrouve dans plusieurs endroits du texte. Et il faut savoir les synthétiser et supprimer tout ce qui n'est plus utile à la compréhension donc de l'idée développée. Et là, je dis de faire attention parce que parfois, on a une mauvaise compréhension de la notion de répétition. Par exemple, je sais que plusieurs personnes nous suivent en Afrique et le fait est que la plupart du temps, nous parlons nos langues nationales en utilisant le français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on écoute comment nous nous exprimons, même quand nous nous écoutons, comment nous nous exprimons, nous nous servons parfois du français pour exprimer les idées de nos langues nationales. Et donc, il peut arriver que on retrouve certaines répétitions qui en réalité ne sont pas des répétitions. Par exemple, lorsque vous entendez un orateur pendant que vous êtes en train d'exploiter la transcription, c'est un exemple et il dit par exemple que en parlant d'Eli, par exemple, qui a marché 40 jours et 40 nuits pour aller à Horeb, et qui dirait, par exemple, que Eli a marché jusqu'à Horeb, c'est vrai que marcher trois fois, ça fait de la répétition, mais en réalité, ce n'est pas une répétition, c'est pour exprimer l'idée du temps mis. Il a marché longtemps. Donc, au lieu de supprimer
les deux fois marché pour ne garder qu'un seul marché, il faut comprendre par là que l'orateur est en train d'exprimer la durée de la marche. Et donc, ici, il faut, par exemple, écrire « Élie a marché pendant longtemps », quelque chose du genre. Et ça peut être donc aussi un adjectif. Une route longue, hein, c'est une route vraiment très longue. Ça peut donc, dans ce cas-là, la répétition peut vouloir exprimer l'intensité, la durée, la longueur, même la hauteur. Donc, il faut être averti de ces choses-là parce que ces répétitions peuvent avoir des valeurs sémantiques assez pertinentes pour la rédaction. Oui, Madame Ilboudo. OK. Donc, une autre astuce, c'est la transformation. Ah, d'accord. OK. Une autre astuce, c'est la transformation du discours direct en discours indirect et les scènes en récit. Il y a certains orateurs, certains pasteurs, quand ils prêchent, ils ont tendance à mettre en scène les personnages dont ils parlent dans leur message. Et ça relève de l'oralité que nous devons travailler à éliminer dans le texte final. Et donc, lorsque on met en dialogue des personnes, des personnages dans le message, au lieu de suivre cette mise en dialogue-là, il faut simplement passer du discours direct au discours indirect. Et il y en a également qui vont faire une scène pour raconter une idée. Et là, comme nous le savons en tant qu'éditeur, en tant que rédacteur, il faut passer de cette façon d'exprimer les idées vers un récit. Alors, je dirais ici de faire très attention. Une autre chose, c'est de faire très attention lors de la transformation de ces discours-là. Faire très attention aux tournures négatives qui ont pourtant une valeur positive. Ça relève également de l'oralité que l'on rencontre parfois dans le texte. L'orateur peut dire une phrase négative, mais la phrase en réalité a une valeur positive, est une phrase tout à fait affirmative. Et il faut être averti afin de, comme j'ai dit, notre travail doit refléter, doit faire montre de clarté et pas d'ambiguïté, en tout cas dans le travail fini. Et lorsque il y a ces choses-là subsistent à notre travail, parfois, ça peut représenter des éléments d'incompréhension pour certains lecteurs. Une autre astuce, c'est de savoir quand généraliser certaines idées et quand les garder telles que l'orateur les a exprimés. Et là, nous avons reçu une question d'un participant de Bénin et qui voulait savoir comment donc concilier
les adresses privées, ce que le pasteur peut-être dit à son assemblée, et le livre qui va être quelque chose de public, qui va s'ouvrir à d'autres publics cibles. Et je commence par là d'abord. Lorsque l'orateur parle de il semble parler de lui-même, il faut dire qu'il semble, il peut dire « je » ou bien « moi », mais la compréhension de ce qu'il est en train d'exprimer là, c'est qu'il est en train de parler de tous les chrétiens, hein? Il est en train de parler, par exemple, du corps de Christ en employant, par exemple, la première personne du singulier ou la première personne du pluriel. À ce moment, lorsque ce qu'il dit concerne tout le corps de Christ, à ce moment, il ne parle pas de lui-même en tant qu'individu. Alors, on peut aller dans le sens donc de la généralisation pour parler de nous en tant que chrétiens, nous en tant que corps du Christ, nous en tant que nouvelle création, quelque chose comme ça. Et parfois, on peut retrouver dans l'adresse du pasteur, il semble s'adresser cette fois-ci à quelqu'un en face de lui en employant, par exemple, le pronom « tu » ou bien le pronom « vous ». Là également, il faut analyser pour savoir est-ce que le « tu », le message adressé au « tu » ou au « vous » pendant le message, parle à une seule personne, à une personne spécifique, ou bien, comme dans le premier cas, ça s'adresse à, c'est une idée qui peut être généralisée à l'ensemble des chrétiens, à l'ensemble du corps de Christ, et à ce moment-là, au lieu d'avoir une adresse privée, on s'ouvre donc vers l'ensemble du corps de Christ, on généralise. Lorsque je prendrai ici dans ce point-là, je vais vous faire réfléchir. Voyez-vous, pendant la construction d'une maison, parce que c'est cela aussi ce que nous sommes en train de faire. Nous avons parlé de matières premières qui nous sont fournies par les pasteurs. Mais lorsque nous nous situons, par exemple, spécifiquement dans la construction d'une maison, on va avoir des briques. Mais quand on regarde attentivement les briques, on va retrouver des briques qui sont parfois cassées. Ça représente quoi ici? Ça représente, par exemple, les idées non achevées. Ça représente les idées non terminées que l'on retrouve dans les transcriptions, dans les messages. Et nous sommes appelés à compléter ces idées-là afin qu'elles soient comprises par nos lecteurs. Également, lorsque on construit une maison, un mur, on va avoir des joints. Entre deux briques, il y a souvent de l'espace qu'on appelle joint, et on ne peut pas simplement superposer les briques les unes sur les autres ou les unes à côté des autres pour faire une bonne maison. Il faut combler les joints, et c'est ce que j'appelle ici niveler ou compléter les mots ou les idées manquantes dans la transcription brute, dans le message, donc à partir duquel nous élaborons le livre. Autre chose, c'est de préciser les sous-entendus, les allusions que nous retrouvons dans le texte. Autant que possible, lorsque nous-mêmes nous comprenons ces sous-entendus ou ces allusions, nous devons
les préciser afin, parce que ce n'est pas tous les lecteurs, et ça peut être des sous-entendus ou des allusions qui ne disent pas grand-chose à quelqu'un d'une autre culture. Et si nous gardons ces allusions ou ces sous-entendus exprimés par le pasteur, exprimés par l'orateur, sans les préciser, ça peut être des idées qui vont être des obstacles à la compréhension du message, du reste du message chez le lecteur. Parfois également, il y a que l'orateur va faire des mimes, va simuler certaines choses. L'orateur, un des orateurs, par exemple, avec lequel je travaille, souvent dit que maintenant que vous me voyez dans l'audio, vous allez comprendre ce que je vais dire, dans la vidéo, vous allez comprendre ce que je vais dire. Il dit souvent que la parole de Dieu ne nous a pas donné pour ici. Dieu ne nous a pas donné la parole pour ici, mais pour là. Et dans la transcription, on va avoir ici et là, mais on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui est donné qu'est-ce que cela a voulu bien dire. Et nous, dans la rédaction, dans l'édition, nous devons donc pouvoir préciser que l'idée de l'orateur qui est que Dieu n'a pas donné sa parole pour être stockée dans notre parole, mais pour être gardée dans notre cœur, comme la Bible le dit, je sers ta parole dans mon cœur. Donc, lorsqu'il y a des mimes comme ça, il faut, lorsque nous avons le moyen de préciser ces mimes-là, nous devons pouvoir les préciser. Donc, j'en ai fini de ce que j'appelle les éléments, les points cardinaux et les astuces. C'est vrai que le temps nous manquerait pour aborder tous les points du sujet évoqué en ce jour, mais alors que nous terminons, s'il y a des choses que je n'ai pas, des choses dont je n'ai pas parlé, des attentes que je n'ai pas comblées, vous pouvez toujours poser des questions et avec l'aide de la modératrice, nous allons donc apporter des éclaircissements. Mais d'ici là, nous allons terminer en abordant aussi des choses que je juge assez capital, c'est notre rapport en tant qu'éditeur avec l'orateur. Alors, est-ce que en tant qu'éditeur ou en tant que rédacteur, est-ce que nous avons les coudées franches? Est-ce que nous avons la liberté d'intervenir dans le texte de l'orateur? Parfois, et cela est déjà arrivé, je crois que j'ai entendu une histoire comme ça où le pasteur a dit, tu n'as pas le droit de toucher à mon texte. J'ai reçu ça comme ça de Dieu et c'est comme ça que ça doit ressortir dans le livre. Est-ce qu'il y a l'éditeur ou le rédacteur a les coudées franches pour intervenir dans le texte. Et ce que j'ai mis en rouge là, c'est capital. Est-ce que en tant qu'éditeur, est-ce qu'en tant que rédacteur, j'ai la possibilité de faire de la censure? Est-ce que je peux dire, par exemple, quel élément, quelle section dans le message ne convient pas et je devrais l'enlever parce que ça c'est des idées équivoques, c'est des idées sensibles. Est-ce que j'ai cette possibilité là d'intervenir pour enlever cela? Bien sûr, en concertation avec l'orateur.
Est-ce que il y a des idées que je peux supprimer ou bien des idées que je peux apporter pour préciser les idées de l'orateur? Tout cela, c'est important de le savoir. C'est en travaillant dès le départ peut-être qu'il faut, n'est-ce pas, préciser ces choses pour qu'on ne soit pas surpris en cours de travail d'avoir des problèmes avec donc l'orateur qui vous dira par exemple que non, il a reçu ça tel de la part de Dieu et donc même une virgule, on ne devrait pas changer. Et là, j'insiste que c'est en connaissant la mentalité et la doctrine de l'orateur que vous pourrez donc facilement agir à ce niveau-là. Autre chose, c'est est-ce que entre vous, éditeur, rédacteur et l'orateur, il y a de la fluidité hein, dans vos rapports. Par exemple, lorsque il va vous manquer des idées, lorsqu'il vous manque des idées, ou bien que il y a des parties du texte que vous ne comprenez pas et que vous devez lui téléphoner, que vous devez organiser un rendez-vous avec lui pour lui parler de tel ou tel aspect. Est-ce que il y a cette disponibilité-là? Sinon, cela peut rallonger le temps donc de la publication du livre lorsque il n'y a pas donc cette fluidité. Vous envoyez par exemple le manuscrit pour que l'orateur puisse relire et faire des amendements. Et s'il prend du temps, plus de temps que prévu, ça peut donc poser des problèmes en termes de temps de parution du livre. Et un des aspects qui n'est pas négligeable non plus, c'est par exemple des éléments sur le choix du format du livre ou bien de la typographie. Quelle est la taille de la police à utiliser? Quelle police même utiliser? Quelle taille utiliser? Quel est l'interlignage à respecter? Et tout ça, il faut pouvoir discuter avec l'orateur dès le départ parce que il arrive que vu le budget que vous voulez mettre dans la production du livre, si par exemple l'orateur veut un livre avec un texte assez espacé, il va sans dire que ça va donner du volume à votre livre et ça va augmenter le coût de production. Est-ce que cela est faisable s'il faut augmenter l'interligne, il faut augmenter la taille des polices et tout ça, il faut donc pouvoir discuter de cela dès le départ. Et donc, comme dit, on n'aurait pas peut-être pu faire tout le tour du sujet, mais nous restons à votre écoute donc, pour répondre à d'éventuelles questions. Et avant de passer la parole à Madame Chouana, je vous dis merci pour votre aimable attention. Merci, Monsieur Topsoba. Il y a une question qui vous est adressée. Alors, si vous pouvez répondre à la question. D'accord, je regarde. Une question dans le chat. Oui, dans le chat. Où peut-on trouver les... Oui, allez-y. Où peut-on trouver les matériels de transcription? Le matériel de transcription, il peut être commandé en ligne, mais je pense que dans les différentes boutiques informatiques, on peut facilement
retrouver certains de ces outils-là là-bas. Sinon, on a acheté les pédales et le logiciel pour la transcription pas automatique, manuelle. Je pense que je ne me rappelle pas très bien, mais c'est en tout cas à partir du Burkina Faso que nous avons acheté cela. Et donc, c'est dire que dans vos différents pays, vous pouvez rechercher cela dans les boutiques qui vendent du matériel informatique. Sinon, vous pouvez les commander en ligne. Une question. Oui. Quelles sont les maisons d'édition qui oublient généralement les pasteurs? Je ne sais pas si j'ai compris la question, mais bon, allez-y. Bon, généralement, par exemple, dans le cas du Burkina Faso, je dirais, par exemple, que nous avons des structures chrétiennes qui sont donc au service de tout le monde, mais principalement des pasteurs. Si je prends, par exemple, l'Antéba, qui a une structure de production de livres, une imprimerie, je pense que ils aident les pasteurs. Maintenant, est-ce qu'ils partent des transcriptions des audios comme nous sommes en train de parler maintenant? Ça, je ne me suis pas renseigné, mais dans vos différents pays, vous trouverez forcément des structures chrétiennes qui évoluent dans le domaine. Sinon, vous pourrez travailler également avec des éditeurs qui n'ont pas qui ne portent pas l'étiquette d'éditeurs chrétiens ou qui n'évoluent pas dans des structures chrétiennes, mais qui peuvent vous accompagner à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez répondu dans le sens de ce que la personne a de m'a posé comme question, mais bon, c'est à la personne de dire, parce que la question dit quelles sont les maisons d'édition qui oublient, je ne sais pas. Qui oublient généralement les pasteurs. Bon, donc c'est ça, je dis, si c'est ce que, si c'est une, si la personne a voulu écrire un mot et a écrit un autre, et que vous avez répondu dans le bon sens, tant mieux. Sinon, la personne peut toujours poser sa question. Son idée. Voilà. Voilà. Il y a l'autre question, qui est l'auteur du texte publié? Le texte publié, c'est le texte de... Oui, qui est l'auteur? Le texte publié. Bien sûr, c'est le messager, c'est lui qui a donné le message. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Ici, nous disons toujours, dans notre structure, nous disons toujours, nous ne sommes pas des co-auteurs. Nous ne sommes pas des co-auteurs. Mais nous accompagnons les orateurs, les pasteurs à publier leur texte. Donc, ce sont eux les auteurs véritables. Nous pouvons accompagner en termes de conseils, en termes donc d'orientation, mais ils sont parfaitement les auteurs. Même si nous apportons des conseils dans le sens d'éviter des équivoques, d'éviter parfois des idées qui ne vont pas être reçues par les lecteurs et qu'ils refusent, nous, on n'est pas co-auteurs, donc on leur laisse carrément la responsabilité de leur livre. Nous faisons, nous, un travail technique d'accompagnement. Ouais, je voudrais dire, avant de laisser, s'il y a des gens qui ont encore des questions, parce que je crois que le temps tire. Ramon, you have to tell us if we have, we still have time or not. Thank you. Yes, we still have time. Go ahead. We'll finish all the discussion. Okay. Dans le cas de Monsieur Tapsoba, il travaille avec des pasteurs qui sont des intellectuels. J'ai eu à travailler avec des pasteurs qui ne parlent que le moré. Ce ne sont pas des gens qui parlent français, ce sont des gens qui parlent le moré.
c'est une langue nationale du Burkina Faso. Et dans ce cas, souvent, les gens même n'ont pas la maîtrise de la doctrine, des doctrines. Et l'interprétation des textes bibliques est souvent, vous lisez et vous écoutez ce que la personne dit, et avec votre background en théologie, vous dites, ça c'est une nouvelle... une nouvelle théologie. Doctrine. Et la personne même souvent dit que c'est une nouvelle théologie. Et souvent, vous êtes là, vous vous demandez, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut laisser passer? Et si on laisse passer, c'est qui on voit? C'est celui qui a prêché, celui qui a fait le message, ou c'est vous, en tant que rédacteur, éditeur qui avait travaillé le texte, c'est qui on voit? Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des situations comme ça, M. Tapsoba, mais bon, voilà. Oui, comme je dis, nous faisons, ce que vous évoquez là, c'est vraiment un cas très, très pertinent. Je n'en ai pas encore rencontré, mais je rencontre parfois des cas. Quel exemple je vais prendre? Par exemple, souvent on évoque le cas de Ruth, hein, Ruth dans la Bible. Et donc, il y en a qui voient, lorsque on parle de Ruth, on parle d'elle comme une maudite. Une maudite parce qu'elle est moabite et descendante donc de la relation incestueuse entre Lot et sa première fille, etc. Et parfois, on essaye de faire sortir quelque chose, une interprétation de ce cas-là, mais on oublie une chose. C'est vrai que plus tard dans la Bible, Dieu a dit que les Moabites ne devraient n'auront pas d'héritage avec Israël lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et étaient en route pour Canaan. Les Moabites ont eu une certaine attitude envers ce peuple-là. Et donc, la raison pour laquelle Dieu a dit que les Moabites n'auront pas d'héritage avec les Israélites, c'est plus à cause de leur attitude non accueillante envers les Israélites que à cause donc de cette question de relation incestueuse. Parce que la situation est arrivée au moment où il n'y avait pas encore de loi. Et si nous voulons analyser cela, par exemple, du point de vue de la loi de Dieu, moi je pose la question, et Abraham alors, puisque Abraham avait pour femme sa propre sœur, même si c'est demi-sœur. Donc, j'ai rencontré des cas comme ça et j'ai essayé donc d'expliquer, de réorienter les choses. C'était entre-temps comme un tiraillement entre moi et l'orateur et pas fini. J'ai dit, OK, c'est cette personne, l'auteur du livre. Mais ce que vous posez, Madame Ilboudo, soulevez comme problématique, c'est aussi vrai. Parce que si vous publiez un pasteur sur la couverture du livre, on aura le nom du pasteur, mais également sur la couverture sera indiqué la maison d'édition. Donc, on peut, quelque part, lorsque il y a des, entre griffes, des hérésies qui sont véhiculées dans les livres, c'est à la fois de la responsabilité de l'auteur, premièrement, mais également la maison peut voir sa réputation diminuer parce que
lorsqu'on sait que vous, vous avez participé à l'élaboration du texte et à la publication du livre, peut-être certains pasteurs ne voudront plus venir vers vous pour publier des livres à cause de cela. J'ai une question de Geoffroy qui pose comme question, ma question concerne les pasteurs qui tronquent les idées, comment faire, comment s'en sortir efficacement. Et la réponse, c'est ce que j'ai dit. Lorsque vous publiez les pasteurs et que vous les suivez, on ne tombe pas comme ça sur un message de pasteur et on commence à le publier, que ce soit vous-même qui ayez recherché le texte ou bien que ce soit lui-même qui soit venu à vous. Voyez-vous que le temps mis dans le travail, la transcription, l'édition, rédaction jusqu'à la finalisation du manuscrit, il y a un long chemin et forcément vous avez le temps de comprendre le pasteur dans sa mentalité, dans sa doctrine, etc. Alors, si c'est un pasteur avec lequel vous avez l'habitude de travailler, vous allez pouvoir être en mesure de compléter certaines choses dans les idées tronquées. Ce n'est pas automatique, j'en conviens, ce n'est pas automatique, mais au fur et à mesure que vous travaillez avec ces pasteurs et que vous vous familiarisez avec leur façon de faire, à un moment donné, vous comprenez leurs idées et même s'il y a des choses qui ne sont pas terminées, vous serez à mesure de les compléter. Si toutefois vous n'êtes pas à mesure de les terminer, de les compléter, il vaut mieux parler avec lui et donc lui donner le temps de compléter soit en écrivant, soit en enregistrant encore des points que vous allez, des éléments que vous allez transcrire. Mais en tout cas, lorsque ces idées sont tronquées et qu'elles ne sont pas, le lecteur ne va pas comprendre, soit il faut les enlever, soit les compléter avec la collaboration de l'orateur, soit les enlever parce qu'il n'y a rien de frustrant que de lire un texte et au bout de la lecture ne rien comprendre du tout à cause donc de tronquation d'idées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Bon, il y en a qui posent, une personne qui pose la question sur la disponibilité de la version audio, mais je crois que Ramon va envoyer la version à tout le monde. Pas sur WhatsApp, je ne pense pas sur WhatsApp, mais si vous êtes inscrit par mail, je crois qu'il va l'envoyer. Je peux lui poser la question d'ailleurs maintenant. Ramon? Avant que vous lui posiez la question, Je ne sais pas. À Ramon, je vais poser la question à Ramon. Oui, allez-y. Je voulais dire quelque chose, mais bon, allez-y, posez la question. Ramon? Yes. People are asking about the video, the audio. Yes. How can they receive it? Is it possible on WhatsApp? This one, the recording? Yes. Yes, I will send it by email on YouTube. You will send it by email? Yes, okay, the link to the YouTube recording. Okay, thank you very much. Okay. Donc, ça sera envoyé par email, comme je le disais. Monsieur Tapsoba? D'accord. Est-ce que on a encore quelques minutes? J'avais préparé une vidéo. J'ai été obligé de sauter certaines choses pour aller vite. Je voulais parler, par exemple, de la transcription automatique en utilisant YouTube. J'ai une vidéo d'une minute. Je ne sais pas si je peux faire passer ça.
crois que vous pouvez faire ça et puis on va conclure. D'accord. Donc, il y a différents moyens de transcrire, d'avoir le texte transcrit pour aller vite. Je vous ai donné, par exemple, le cas du logiciel Dragon qui permet de prendre le texte et c'est lui-même qui, c'est le logiciel qui fait la transcription, qui génère le texte et après vous corrigez. Mais c'est vraiment un logiciel, c'est payant. Je pense qu'il avoisine les 400 000 francs CFA. Donc, une autre alternative à ça, c'est donc d'exploiter YouTube pour le faire. Donc, suivez cette vidéo qui explique comment avoir de la transcription brute avec YouTube. Ouvrez la vidéo du sermon à transcrire sur YouTube et cliquez sur les trois points horizontaux en bas de la fenêtre de la vidéo. Si la transcription automatique existe, vous verrez alors l'option « Ouvrir onglet transcription ». Sinon, cette option sera absente. La fenêtre de la transcription s'ouvre à droite de la vidéo et à droite du texte où vous avez le rodateur qui indique le temps de la vidéo correspondant au texte en face. Vous n'en aurez pas besoin. Cliquez sur les trois points verticaux en face de l'onglet transcription. Cliquez ensuite sur « Activer et désactiver le rodateur ». Allez au début du texte et commencez à le sélectionner jusqu'à la fin. Une astuce, c'est de positionner votre curseur au début. Allez à la fin du texte et cliquez derrière le dernier mot tout en maintenant enfoncé la touche « Swift ». Collez le texte au pied dans un traiteur de texte. Vous remarquerez que le texte est morcelé en paragraphes. Ouvrez la fenêtre à rechercher et remplacer en faisant CTRL plus H. Dans la case rechercher, tapez successivement les touches accent circonflexe et P. Dans la case remplacer, tapez une fois la touche espace. Cliquez sur remplacer tout. Enfin, faites la mise en forme selon votre convenance. Voilà, donc c'est. La vidéo du sermon à transcrire sur YouTube et cliquez sur les trois points horizontaux en bas de la fenêtre. Voilà, donc à vous. Merci, merci. Je crois que nous pouvons tous dire merci à M. Tapsoba pour ce partage. Et de toute façon, les éléments seront disponibles. Je crois que le PowerPoint aussi sera disponible, de même que l'audio. Alors, merci. Et à tous ceux, à toutes celles qui ont pris part à ce webinaire de la francophonie. Je pense que prochainement, il faut que vous connectez plus de personnes pour que nous soyons aussi nombreux que les anglophones. Merci à MAI pour cette assistance qui nous permet d'apprendre les uns des autres et de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu à travers la littérature dans nos pays différents. Que Dieu vous bénisse tous et au revoir et à une autre fois. Merci beaucoup.